Bonsoir et bienvenue à une autre conférence diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Je suis Jasmin Robert, directeur général. Donc, comme on vous avait averti lors de notre dernière conférence, on avait pris une petite pause pour préparer puis pour notre assemblée générale qui a eu lieu le 30 mai dernier. Donc, on est de retour ce soir avec une conférence qui a été organisée en fait par le Club d'astronomie du Mont-Tremblant. Donc, on n'a même pas eu le temps nous-mêmes d'organiser une conférence suite à l'Assemblée. Mais heureusement, grâce à la collaboration du Club de Mont-Tremblant, bien, ce soir, on a la chance de vous offrir une conférence en direct. Alors, sans plus tarder, je vous présente la présidente du Club d'astronomie du Mont-Tremblant, Madame Diane Patnaud. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, la première des choses, j'aimerais remercier la Fédération de nous avoir permis de faire cette présentation en collaboration avec Loïc Calbal. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon offre. Alors, ce soir, ce qu'on veut vous présenter au Club de Mont-Tremblant, c'est la biosignature du télescope Gaïa. Le télescope James Webb. Avec la collaboration de Loïc Calbert qui va nous expliquer au juste finalement est-ce qu'on va avoir la bonne réponse. Alors, je laisse le soin à Loïc Calbert de se présenter et de nous en parler plus longuement. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Diane. Oui, moi c'est Loïc Calbert. Je travaille sur le télescope James Webb. Merci tout le monde de s'être déplacé dans l'hyperespace aujourd'hui, ce soir, pour assister à ma présentation. Donc, je travaille à l'Université de Montréal dans l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX, dont vous avez peut-être entendu parler déjà. Et je suis astronome, je suis chercheur à cet endroit-là. Puis en particulier, je m'occupe des instruments. Je suis un instrumentaliste. Donc, j'ai, pendant mes études, construit des instruments infrarouges et j'ai passé 5 ans au télescope Canada-France-Hawaï comme spécialiste d'instruments d'une caméra infrarouge là-bas. Et puis maintenant, je suis de retour à Montréal depuis un petit bout de temps sur le projet fabuleux, le projet James Webb. Et je sais que la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est « mais quand est-ce que le télescope va décoller ?» Ben, je vais garder la réponse pour la fin. Mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant la conférence et puis ça va me faire plaisir d'essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc, là-dessus, je vais partager mon écran et je vais commencer ma présentation. Et avant ça, je vais stopper mon vidéo. Et voilà, on est parti. Alors, on a ici une belle image de notre maison, la Voie lactée, prise à partir d'un paysage vraiment sublime en Australie, quelque part avec des roches naturelles qui forment une espèce de troupe d'extraterrestres, de pseudo-extraterrestres, si on veut. Ça ressemble, c'est un peu sorti de la science-fiction, cette image-là. Je l'aime beaucoup. Et donc, c'est parce qu'on aborde la grande question « Sommes-nous seuls dans l'univers? » J'imagine que tout le monde a peut-être déjà une réponse ou un point de vue, une opinion là-dessus. Et on pourra en discuter. Mais moi, ce que je vais vous présenter, c'est ce que du point de vue scientifique, du point de vue de l'astronomie et des observations, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette question-là? « Sommes-nous seuls dans l'univers? » Est-ce que c'est une question sérieuse? La réponse, c'est oui. C'est une question très sérieuse, très, très d'actualité. Puis, c'est une des questions auxquelles peut-être le télescope James Webb va être capable de répondre. Je dis peut-être. Il y a des petites possibilités qu'effectivement, il puisse répondre à cette question-là.
Donc, pour commencer, je vais parler de mais comment est-ce qu'on cherche la vie extraterrestre? Quels sont les signes de vie qu'on recherche? Évidemment, la première méthode de détection à laquelle on est pensé d'extraterrestre, c'est d'écouter les signaux qu'ils pourraient nous envoyer depuis leur exoplanète très, très loin. Donc, des signaux radio, par exemple, des messages codés, faits de probablement de 0 ou de 1. Et on est à la recherche, dans l'attente qu'un signal nous parvienne. Donc, on ne sait pas du tout d'où ça pourrait venir. Et on pointe nos instruments dans différentes directions du ciel pour essayer de trouver un signal. Malheureusement, donc ici, on chercherait un signal, par exemple, comme celui-ci, une espèce de blip, 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 une espèce de bouée dans la mer. Et malheureusement, on n'en a pas trouvé encore de ces signaux-là, rien qui soit confirmé. Une deuxième façon à laquelle on pourrait penser chercher des extraterrestres, ce serait de cartographier en détail les planètes et les lunes du système solaire. Pourquoi? On peut imaginer qu'une civilisation extraterrestre en vienne à être si technologiquement avancée qu'elle envoie des robots un peu partout, dans toutes les directions de l'univers, des robots qui pourraient peut-être même à la rigueur se répliquer une fois arrivés sur un astre solide et envoyer essaimer des nouveaux robots dans toutes les directions et ainsi peut-être coloniser la galaxie au complet en quelques millions d'années. Donc, on pourrait imaginer que si une civilisation comme celle-là existait, elle a déjà envoyé des traces sur les corps solides de notre système solaire. Donc, on s'en va à la recherche de ces traces-là. Et qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, on trouve effectivement des objets qui sont artificiels. Malheureusement, ici, c'est un petit rover martien à la surface de Mars. Et donc, les deux corps du système solaire les mieux cartographiés après la Terre, c'est Mars et la Lune. Et donc, on a les capacités de trouver des objets artificiels, mais malheureusement, on n'a rien trouvé d'autre. Donc, on n'a pas de signe de vie extraterrestre en faisant la cartographie du système solaire encore. Heureusement, il reste d'autres corps solides à explorer dans le système solaire. Il n'est pas encore hors de question qu'un jour, on trouve quelque chose. Une troisième méthode à laquelle on pourrait penser serait un petit peu plus, champ gauche. Ce serait d'identifier parmi toutes les étoiles qu'on connaît dans la Voie lactée des étoiles qui seraient hyperactives. Donc, ici, il faut imaginer que sur une planète, ce serait formé une civilisation très avancée qui consomme énormément d'énergie. Et donc, il y a une soif immense pour l'énergie et donc l'énergie, par les lois de la physique, va se transformer éventuellement en chaleur. Et donc, il y aurait une immense chaleur qui émanerait de ces planètes-là ou de ce système planétaire-là. Et on pourrait peut-être les détecter donc par un surplus de lumière infrarouge, de chaleur qu'elle émettrait. Donc, on pourrait imaginer voir un petit point très lumineux qui viendrait potentiellement d'une planète hyperactive. Et on n'a pas encore identifié de points comme ça, d'étoiles dont l'émission infrarouge est vraiment abondante ou surabondante. Donc, on se tourne vers la quatrième méthode, qui est la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, qui serait de mesurer la composition chimique des exoplanètes. Alors, comment est-ce qu'en mesurant la composition chimique de l'atmosphère des exoplanètes, comment est-ce qu'on pourrait trouver la vie ou trouver un signe de vie? C'est par les petites raies d'absorption moléculaire ou atomique que la vie pourrait laisser dans ces atmosphères-là. Par exemple, sur Terre, on a de l'oxygène. Et je ne sais pas si vous saviez, mais l'oxygène est une molécule qui n'est pas en équilibre dans notre atmosphère. C'est-à-dire que si la vie sur Terre cessait du jour au lendemain, après un certain temps, l'oxygène qui est dans l'atmosphère s'agglutinerait aux roches, au sol, serait absorbé par les océans et il y aurait plus d'oxygène dans l'atmosphère.
une autre façon de voir, c'est qu'on croit qu'au début de la vie au début de la Terre, c'est-à-dire quand la vie n'était pas là encore, on croit que l'atmosphère terrestre ne contenait pas d'oxygène. Ce serait de l'oxygène qui serait retiré du sol par le vivant, par les premiers... en fait, ça a pris plusieurs millions, voire milliards d'années avant que la Terre acquiert une atmosphère d'oxygène. Donc, vous voyez que si on voyait des traces d'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça laisserait croire qu'il y a peut-être quelque chose qui a produit cet oxygène-là dans cette exoplanète. Et l'oxygène est particulier parce que ce n'est pas tous les gaz qui sont une trace de vie. Il y a des gaz comme le méthane qui peuvent être produits de façon abiotiquement, sans vie, sans qu'il y ait nécessairement besoin de la vie pour le former. Mais l'oxygène, par contre, c'est très difficile de l'expliquer sans la présence de la vie. Donc, là, je parle d'exoplanètes. J'imagine, en faisant une conférence avec tout plein d'astronomes amateurs du Québec, je n'ai pas trop besoin de vous dire ce que c'est une exoplanète, mais je vais quand même le faire, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est leur première présentation. On a ici un des plus beaux exemples d'exoplanètes. Et cette fois, ici, on a une image du système planétaire. C'est le système planétaire HR8799. Et on a BCDE, qui sont le nom des quatre planètes qui orbitent autour de l'étoile HR8799. Il s'agit du premier système planétaire imagé, donc pour lequel on a pris une image, qui soit multiplanète. Alors, je vais vous faire une animation au fil des années. On a vu les planètes se déplacer. Pour moi, ça, c'est un super vidéo. Pour moi, c'est vraiment incroyable. On est en train d'observer des planètes qui orbitent une étoile autre que le Soleil. C'est fantastique. En 1995, même en 2000, on connaissait pas encore ça. Et pourtant des centaines, voire des milliers d'années, les humains se sont posé la question s'il existait des planètes autour des autres étoiles. Puis, on a enfin la preuve directe que oui, il existe des planètes autour des autres étoiles. Et cette découverte-ci, pour faire une plug, a été faite par des Québécois, en fait, par Christian Marois, David Lafrenière et René Doyon, des collègues à moi. Et donc, on a été chanceux. Il n'y a pas beaucoup d'exoplanètes comme ça avec des images. Et pour vous donner un sens de la taille de ce système planétaire-là, on voit ici tracer l'orbite de Neptune en comparaison. Donc, il s'agit de planètes qui sont sur des grandes orbites, très loin de leur étoile. Et la raison pour laquelle on peut les détecter, ces exoplanètes-là, c'est qu'elles sont encore toutes jeunes et toutes chaudes. Elles viennent tout juste de se former. Donc, elles sont encore toutes chaudes en train de se replier sur elles-mêmes et puis de dégager la chaleur de leur formation. L'énergie gravitationnelle est transformée en chaleur. Et donc, elle brille un peu comme une étoile, mais plus faiblement. Et donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut les détecter. Donc, je l'ai dit, on se posait la question, est-ce que parmi toutes les étoiles qu'on voit dans notre Voie lactée, est-ce que toutes ces étoiles ont des planètes? Hein? C'était une grande question et on a, depuis seulement quelques années maintenant, on a la réponse. On sait qu'il existe en moyenne au moins une exoplanète par étoile. Donc, dans toutes les étoiles de la Voie lactée, des milliards et les dizaines de milliards, les centaines de milliards d'étoiles, chacune en moyenne a au moins une planète. Donc, c'est assez formidable. Les chances que la vie émerge sur une de ces planètes sont bonnes. Donc, pour trouver maintenant ces signes, ces biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes, on a le seul outil accessible des astronomes, ou presque le seul, la lumière. Donc, vous voyez ici un beau sketch d'une ampoule donc qui émet de la lumière blanche. Et lorsqu'on fait passer cette lumière blanche à travers un prisme de verre ou sur un réseau de diffraction, on est capable de briser la lumière blanche dans toutes ses composantes, toutes ses couleurs. Donc, on a les couleurs, les longueurs d'onde les plus longues, c'est la couleur rouge. On voit que
la vague ici est plus longue. Et les longueurs d'onde plus courtes, bien, c'est le bleu. Et donc, la lumière visible par nos yeux, bien, c'est cette lumière-là du rouge au bleu. Si on fait la même chose, au lieu d'une lampe de tungstène, on prenait le soleil, on faisait passer à travers un prisme, ben, on aurait quelque chose de similaire. On aurait en bas à droite des couleurs du bleu au rouge. Et si on pousse aux longueurs d'onde, disons qu'on regarde plus vers le bleu, aux longueurs d'onde plus courtes, ben, plus court que ça, il existe aussi des ondes électromagnétiques, c'est des ondes ultraviolets. Et, pardon, je vais dans la mauvaise direction. Excusez-moi. Donc, plus on pousse vers les longueurs d'onde courtes, on va à des ondes électromagnétiques plus énergétiques, les rayons X, ensuite les rayons gamma. Et du côté rouge, ben, on a les infrarouges qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui, les micro-ondes et les ondes radio. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup des infrarouges. Mais donc, première étape dans la recherche de biosignatures, il faut d'abord trouver des planètes, effectivement. Et là, je vais vous montrer comment on a trouvé des planètes et comment on a estimé la grosseur des exoplanètes. C'est par la méthode qu'on appelle du transit. Et là, ici, j'ai trouvé un beau « do it yourself » d'un transit d'exoplanète dans son sous-sol. Donc, on a ici une table tournante sur laquelle on a une planète qui tourne autour de son soleil, une ampoule ici, et on voit qu'à chaque fois que la planète passe entre nous et le soleil, ben, l'intensité lumineuse décroît. Il y a une ombre, tout simplement, qui passe sur nous. Et voilà. Donc, la méthode du transit pour trouver une exoplanète, elle est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on observe une étoile pendant un certain temps et on attend que se produise une éclipse, qu'une planète non visible produise une éclipse. Et en fait, les premières planètes trouvées par la méthode du transit, ça a été trouvé au tournant des années 2000. Donc, c'est tout récent, tout chaud. Une autre façon de le montrer, ben voilà, on a deux soleils avec chacun une planète. Il y a le système de gauche, c'est une planète très grosse, okay? Et le système de droite, c'est une planète plus petite qui tourne autour. Et on remarque que plus la planète, évidemment, est grosse, plus l'ombre est grande, plus la profondeur du transit est grande et plus l'intensité lumineuse chute. Alors que pour une petite planète à droite, ben, il y a une chute, mais elle est toute petite. La profondeur du transit est très petite. Donc, c'est à partir de cette courbe-là, nous, ce qu'on observe, c'est l'intensité en fonction du temps. C'est à partir de cette courbe-là qu'on peut retrouver, mais quelle est la taille de la planète qui produit cette éclipse-là? Donc, plus la planète est grosse, plus le transit est profond. Et plus la planète est petite, moins le transit est profond. Et Kepler, le télescope spatial Kepler, a été un maître dans la recherche d'exoplanètes par la méthode du transit et a observé pendant à peu près 4 ans le même champ d'étoiles, puis a trouvé près de 4000 exoplanètes par cette méthode-là. Donc, pour résumer la méthode du transit, on voudrait connaître, ici, on a un zoo d'exoplanètes. Et la méthode du transit, on pourrait croire qu'elle nous donne tous les détails qu'on voit dans cette image-ci, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, la méthode du transit, tout ce qu'elle nous donne, c'est la taille de ces exoplanètes-là. On n'a aucune idée par la méthode du transit de quoi est faite la planète. Tout ce qu'on connaît, c'est sa taille. On n'arrive pas à voir la planète directement parce que c'est une observation indirecte. On observe simplement la baisse du flux de l'étoile, mais on ne voit pas la planète directement. Donc, tout ce qu'on peut en déduire, c'est la taille de l'exoplanète. Heureusement, il y a d'autres méthodes pour nous donner d'autres informations.
Donc, par la méthode du transit, il y a des planètes comme ça qui ont été découvertes auxquelles on ne s'attendait vraiment pas. Par exemple, la planète 55 Cancri E, qui est une planète toute petite, peut-être de la taille de la Terre, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, et qui orbite très, très proche de son étoile. Et donc, on peut penser que la température à la surface dépasse la température de fusion du métal. Donc, on peut imaginer une planète qui soit entièrement de lave. Donc, ça, c'est une planète extrême. Il y a d'autres systèmes planétaires, par exemple, qui ont été découverts avec cette méthode-là. Ici, on a Kepler 90, donc la 90e étoile autour de laquelle Kepler a trouvé des planètes. Et on a ici un cas où on a 8 planètes dans le système. C'est très rare d'avoir autant de planètes. Et pour vous donner une idée de l'échelle, on a donc les planètes du Kepler 90 en jaune à gauche, qui sont toutes très, très serrées, très proches de leur étoile. Et par comparaison, le système solaire à droite en blanc, on voit que les 8 planètes sont comprises à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Donc, elles sont vraiment toutes très, très près de leur Soleil. Et donc, il n'est pas exclu aussi qu'il y ait d'autres planètes un peu plus loin dans ce système-là. D'autres planètes, évidemment, qui nous intéressent beaucoup, c'est les planètes de la taille à peu près de la Terre et qui orbitent dans ce qu'on appelle la zone habitable de leur étoile. C'est-à-dire, la zone habitable, ce serait dont la planète serait suffisamment proche de l'étoile pour avoir de l'énergie, pour que s'il y avait de l'eau à la surface de cette planète-là, elle ne soit pas en glace. Mais pas trop près pour pas que cette eau-là soit en vapeur. Il y a une distance là, toute assez étroite où s'il y avait de l'eau sur cette planète, elle serait à l'état liquide. Donc, on a recensé quelques cas comme ça de planètes qui auraient, on pense, la température pour avoir de l'eau liquide s'il y avait de l'eau. Et ici, on a une vue d'artiste à quoi pourraient ressembler ces exoplanètes habitables-là. D'autres découvertes vraiment fortuites, intéressantes, qui ont été faites par Kepler ou par la technique du transit, c'est, entre autres, la découverte d'une planète qui aurait un système d'anneaux boostés sur les stéroïdes, vraiment plus gros que Saturne. Donc, je vous fais dérouler la vidéo. En bas, c'est les observations. Donc, tous les petits points jaunes, c'est les observations qui ont été prises de l'intensité de l'étoile en fonction du temps, OK? Et on devine, on devine qu'il y a effectivement des anneaux qui croisent le disque de l'étoile et puis qui font des petites éclipses. Et puis, on en a dérivé tout le système d'anneaux autour de cette étoile-là. Donc, c'est vraiment un cas unique et vraiment fascinant. Bon. Une des choses vraiment intéressantes que la technique des transits nous a permis de connaître, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Donc, imaginons qu'on ait des billes et cette espèce de système qui dépose, dont les rails vont en s'élargissant. On dépose des billes de toutes sortes de tailles sur ces rails-là, puis elles vont tomber là où la distance entre les deux rails est assez grande pour que la bille tombe. Donc, on voit que ici, on a fait une classification par taille de nos billes. Et donc, dans cet axe, on a la grosseur des billes, donc de la petite à la plus grosse. Et dans l'autre axe, on a la quantité des billes. OK? Donc ça, j'ai aimé cette petite vidéo-là parce que ça me parlait. Ça image vraiment ce qu'on essaie de faire avec les exoplanètes. On essaie de les classer en taille et de voir quelle quantité il y a pour chacune de ces tailles d'exoplanètes-là. Donc, on a ici la quantité en fonction de la grosseur. Et là, ce qu'il faut remarquer, donc on voit les lignes en noir, c'est les observations grâce à la méthode du transit des milliers d'exoplanètes qu'on a trouvées. Et on remarque qu'il y a vraiment différentes choses. Donc d'abord, je vais vous mettre en perspective les tailles des planètes qu'on connaît. Donc on voit Mars,
la Terre, Neptune, Saturne, Jupiter. OK? Et là, on voit tout de suite d'abord que il y a une première bosse où il y a beaucoup de planètes qu'on appelle les super-terres. C'est-à-dire qu'on a découvert que la majorité ou une grosse portion des planètes qu'on trouve sont plus grosses que la Terre, mais plus petites que Neptune. On les appelle les super-terres, puis on n'a aucun exemple de ce genre de planète-là dans notre système solaire. Donc, c'est vraiment mystérieux pour nous de quoi il s'agit, c'est quoi ces super-terres-là. Deuxième observation, il y a aussi un deuxième pic, les mini-Neptunes. Bon, les noms ne sont pas très originaux, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a ici une classe de planètes qui sont un peu plus petites que Neptune, mais plus gros que la Terre. Donc, il y a beaucoup, essentiellement, toutes les planètes, ou presque toutes, recensées par Kepler et la méthode du transit, trouvent des planètes qui sont entre la taille de la Terre et celle de Neptune. Encore, on n'a pas d'exemple de ça dans notre système solaire. Et il y a un mystérieux trou dans le diagramme entre les deux qu'on appelle la vallée de Fulton, du nom d'un des astronomes, un des premiers à avoir remarqué ce déficit de planète-là. Et on essaie d'expliquer, mais pourquoi ici, il y a deux classes de planètes et il y a une discontinuité dans la distribution? Bien, on pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des planètes évaporées, c'est-à-dire que toutes les planètes qu'on a trouvées, c'est en général des planètes qui sont proches de leur étoile, très chaudes. Donc, on peut penser que l'étoile souffle l'atmosphère de certaines planètes vers l'extérieur, donc les planètes perdent un peu de leur atmosphère à cause de la présence de l'étoile. Donc, imaginons deux cas de figure. Okay? Imaginons au départ deux planètes qui ont la même taille, okay, représentées ici par le bleu pâle, elles ont la même taille, mais qu'au centre de ces planètes-là, il y a une des planètes qui a un petit cœur de roche, puis l'autre qui a un gros cœur de roche. Okay? Et c'est ces cœurs de roche-là qui ont, par la gravité, attiré le gaz pour former ces planètes-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand on expose ces planètes-là à la radiation d'une étoile? Ben, l'étoile de droite, elle a une forte attraction gravitationnelle à cause de son gros noyau de roche et de métal. Donc, elle va réussir à garder, conserver la majeure partie de son atmosphère quand l'étoile souffle sur elle. Par contre, la planète de gauche, il y a un tout petit cœur qui a peu de gravité, ben elle va pas résister et elle va perdre presque toute son atmosphère. Ce qui fait qu'on va, en conséquence, avoir deux types de planètes qui vont résister ou qui vont exister après. On va avoir à gauche des petites planètes un peu plus grosses que la Terre sans atmosphère ou presque peu d'atmosphère, puis à droite, des planètes avec un gros corps rocheux et encore pas mal d'atmosphère. Donc, c'est on pense, ce qui explique le fait qu'on ait des super-terres qui auraient peu d'atmosphère et des mini-Neptunes qui auraient quand même pas mal d'atmosphère. Voilà. Et évidemment, on a à droite, dans le diagramme, des planètes, mais en très petit nombre, des Jupiter chaudes. En fait, une des premières planètes à avoir été découverte, les Jupiter chaudes. Donc, je vais vous laisser le temps de respirer 10 secondes. Maintenant, on va passer à une autre méthode de détection des exoplanètes, qui est la vélocimétrie, qui nous permet de mesurer la masse des exoplanètes. Encore une fois, cette méthode-là, au lieu, elle ne va pas nous donner une image parfaite comme on voudrait, comme celle-ci, elle va plutôt nous donner des masses, des kilogrammes, pour chacun de ces planètes-là. Et encore une fois, on va utiliser la lumière pour faire ça. Donc, ici, on voit qu'on a le spectre d'émission du Soleil. Okay? On remarque dans le spectre d'émission du Soleil tout plein de petites bandes verticales noires. Bien, ça, c'est des vraies bandes. En fait, c'est causé par la présence dans le Soleil de certaines impuretés, c'est-à-dire de certains gaz comme de l'hélium, de l'hydrogène, du potassium, toutes sortes d'atomes et même de molécules. Okay? Et puis, chacun de ces atomes, de ces molécules, laisse une petite trace bien spécifique dans le spectre du Soleil.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces traces-là. Et là, ici, on s'imagine le soleil ou une étoile au centre, qui est en jaune, avec une planète qui tourne autour. Évidemment, l'étoile fait une grosse attraction gravitationnelle sur la planète, ce qui la fait tourner autour d'elle, mais c'est vrai aussi de dire que la planète a une petite attraction qui fait tourner l'étoile un peu autour de la planète, si on veut. Donc, il y a un effet de la présence de la planète a un effet sur l'étoile qui bouge un petit peu en suivant l'orbite de la planète. Maintenant, dans la vraie vie, on ne voit pas la planète. Tout ce qu'on voit, et on ne voit pas l'étoile bouger comme ça. Tout ce qu'on peut mesurer, c'est la vitesse de cette étoile-là en fonction du temps, en regardant les raies d'absorption dans le spectre qui bougent avec l'effet Doppler fuseau, qui est un effet de rougeoiement ou de bleuissement du spectre en fonction de la vitesse à laquelle elle s'éloigne ou se rapproche de nous. Donc, on voit que la vitesse de l'étoile par rapport à nous change périodiquement de cette façon-là. Et ça nous dit exactement, en fait, ça nous donne l'indice qu'il y a une planète qu'on ne voit pas qui est en train de tourner autour de l'étoile en question. Donc, je vous présente ici le même graphique réalisé sur la première exoplanète vraiment annoncée et publiée en 1995 par un groupe de Suisse, 51 Peg B, qui est vraiment la première, et c'était une planète, en fait, qui nous a vraiment étonné de découvrir. Donc, on voit bien le signal sinusoïdal de la vitesse en fonction du temps. Et ce qui nous a étonné, c'est de découvrir qu'elle orbite son étoile en 4 jours seulement. Donc, on a trouvé une étoile qui a à peu près la moitié de la masse de Jupiter et qui tourne autour de son étoile en 4 jours. On ne connaît pas la taille de cette planète-là, mais on peut imaginer que si elle a à peu près la même masse, elle doit avoir une taille à peu près similaire à celle de Jupiter. Donc, imaginez Jupiter tourner autour du Soleil en 4 jours. C'est assez incroyable. Donc, elle se trouve très proche de son étoile. Elle est donc très chaude. Et ça, ce que ça nous a amené à faire, c'est à imaginer, mais comment est-ce que c'est possible que des planètes se trouvent à cet endroit-là? Est-ce qu'elles peuvent se former aussi proche de leur étoile? Ou bien elles sont plus loin pour ensuite migrer vers l'étoile? Et donc, il y a toute des nouveaux modèles de formation de planètes qui impliquent la migration des planètes pendant leur formation. Et donc, maintenant, la méthode du transit nous donnait la taille des planètes, d'une part, et la méthode de vélocimétrie nous donnait la masse. Ce qui fait qu'on peut faire un diagramme de diamètre en fonction de la masse. Connaissant le diamètre et la masse, on peut estimer la densité des exoplanètes si on les observe à la fois en transit et par vélocimétrie. Et là, ici, on a un graphique d'un grand nombre d'exoplanètes pour lesquelles on connaît à la fois la masse et la taille. Et ça nous amène à supposer qu'avoir une vision de la densité de ces planètes-là, donc de quoi elles pourraient bien être composées, en fait. Et si on suit, par exemple, la ligne rouge, bien là, ce serait à quoi aurait l'air, dans ce diagramme-ci, une planète faite entièrement de fer, OK? Donc, elle serait très, très dense, donc son diamètre serait très petit. Et on voit qu'il y a certaines planètes qui, on dirait, ont des densités qui sont proches de 100% de fer. On a un cas en bleu où ce serait une planète entièrement faite d'eau. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de planètes qui sont dans cette région-là. Et il y a même en haut à gauche, ce que c'est cold H2He. Donc, si on avait des planètes faites entièrement d'hydrogène et d'hélium, donc elles seraient très peu denses et elles se retrouveraient très haut dans le diagramme. Donc, on est entre les deux. La plupart des planètes sont entre une atmosphère d'hydrogène et une atmosphère et une composition de 100% d'eau. Et là, je ne parle pas de l'atmosphère, je parle de la composition globale de la planète. Donc, il y a de tout. On voit qu'il y a des planètes rocheuses, gazeuses qui existent. Donc, en soi, ça, c'est vraiment des découvertes qui sont fantastiques. On est maintenant à notre portée, on a la possibilité de connaître la densité, donc déduire de quoi peut être composé ces planètes-là.
Et j'en arrive à la section de mesurer la composition chimique d'atmosphère d'exoplanètes par la spectroscopie de transit. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais ça suit les mêmes principes que les transits. Donc, on a encore l'observation de notre spectre, c'est encore ça qu'on va observer. Et donc, imaginons maintenant que... ce que je veux vous montrer ici, c'est que en physique, en astronomie, on est capable de savoir de quoi sont composés les astres qu'on observe. Et donc, ici, on a un exemple d'une étoile dans laquelle, par exemple, on met de l'hydrogène. Si on fait passer la lumière à travers un prisme, ben, ça nous donne le spectre à droite, ça nous donne la décomposition de la lumière à droite, et on voit une petite bande noire qui apparaît, qui serait ici causée par la présence d'hydrogène. OK? Mais si, au lieu de mettre de l'hydrogène, on mettait de l'hélium dans l'étoile, ben, on aurait une signature différente. Donc, chaque composé chimique a son code-barre, essentiellement, son ADN, si on veut. Donc, par exemple, l'oxygène aurait ici, par exemple, deux barres près de l'une de l'autre, la vapeur d'eau aurait des bandes noires ailleurs, le CO2 aurait une autre empreinte. La même chose pour le méthane et pour chaque atome, chaque molécule. Donc, vraiment, ça, c'est un fait super important qui a été réalisé en astronomie au 20e siècle, même au 19e siècle probablement, que chaque atome, chaque molécule a son empreinte dans le spectre. Et donc, c'est de cette façon-là, en comparant avec des empreintes dans le laboratoire sur Terre, on peut essayer de s'amuser à mettre de l'hydrogène puis à voir quelle empreinte ça laisse. C'est de cette façon-là qu'on a pu identifier de quoi étaient composées les étoiles. Donc, on sait que le Soleil est fait d'hydrogène et d'hélium, par exemple. Par extension, si on observe les galaxies les plus lointaines dans l'univers, on observe le même genre de raies d'absorption. Donc, on en déduit que la physique est la même partout dans l'univers, ce qui est assez quand même phénoménal comme résultat. On peut dire que la chimie, la physique est la même à des milliards d'années-lumière de nous. Bon, donc, la spectroscopie de transit. Donc, on voit ici le transit de Vénus devant le Soleil il y a quelques années. Et donc, c'était une observation incroyable. Et on veut répéter, en fait, essentiellement la même chose pour des exoplanètes. Mais ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est pas de mesurer la taille de l'exoplanète, mais c'est bien de mesurer la lumière qui filtre à travers la mince atmosphère de la planète. Donc, c'est minuscule. Il y a très peu de lumière qui filtre à travers cette petite couche d'atmosphère autour de l'exoplanète. Mais c'est ce qu'on veut mesurer. On veut voir comment l'atmosphère de cette exoplanète altère la lumière qui vient de l'étoile. Et donc, imaginons un cas où une planète passe devant son étoile et que ce soit une planète sans atmosphère. OK? Donc, on aurait une boule de roche sans atmosphère. On voit ici qu'une bonne partie des photons serait arrêté par le disque de la planète et ça nous donnerait à droite un transit avec une certaine profondeur qui dépend de la taille du corps de roche. Maintenant, imaginons qu'il y ait une atmosphère autour de cette planète-là. Okay? Donc, ce qu'on veut essayer de faire pour trouver le spectre de l'atmosphère, c'est essentiellement de faire une courbe de transit à chaque longueur d'onde, à chaque couleur. Donc ici, si on regarde par exemple en lumière bleue, puis qu'il y a une molécule X qui est présente dans l'atmosphère de la planète, OK? Ben là où il y a une molécule qui est présente, elle absorbe la lumière très facilement. Donc, ici, on verrait que tout rayon qui passe à travers l'atmosphère à cette longueur d'onde-là, dans cette couleur-là, va être absorbé. Ce qui fait que la planète va nous paraître beaucoup plus grosse à cette longueur d'onde-là qu'à d'autres longueurs d'onde où il n'y a pas d'absorption. Donc, la profondeur de transit à droite va être beaucoup plus importante parce que à cette longueur d'onde bleue-là,
la molécule X absorbe beaucoup mieux la lumière, alors qu'à d'autres longueurs d'onde, elle est plus transparente. Donc, par exemple, ici, dans la longueur d'onde rouge, l'atmosphère absorbe très peu, en fait, la lumière qui vient de l'étoile. Donc, la planète a l'air plus petite. Les rayons lumineux passent à travers l'atmosphère de la planète. Et donc, à droite, le transit est beaucoup moins profond. La baisse de luminosité est beaucoup moins profonde. Donc, dans le vert, ici, on a un autre cas, on a un autre ray d'absorption. En vert, ben, tous les photons verts sont absorbés par cette molécule X-là. Donc, j'espère que vous voyez un peu où je m'en vais. C'est qu'on peut arriver à trouver le spectre de la molécule X comme ça en regardant des transits d'une étoile à différentes longueurs d'onde. Les transits d'une planète à différentes longueurs d'onde. Donc, une autre façon de le voir ici, ce serait une planète avec une atmosphère qui passe devant son étoile et on observe à trois couleurs différentes et on voit que la profondeur dans le rouge, vert et bleu n'est pas la même. Donc, c'est la même chose que ce que je viens d'expliquer avant, mais figuré d'une autre façon. Donc, si on observe avec notre télescope ici, le télescope Hubble, en fait, le télescope Hubble a fait cet exercice-là et a effectivement mesuré des variations, mesuré des spectres d'exoplanètes comme ça déjà. Par exemple, il a identifié de la vapeur d'eau dans des Jupiter chaudes. OK? Et donc, c'est un signal qui est très, très faible, qui se mesure en parties par million, en quelques dizaines, centaines de parties par million. Donc, c'est des très, très petits, c'est très challengeant comme observation à faire. Un autre exemple, ici, le télescope Hubble a regardé la super-Terre GJ1214b, qui est une des super-Terres les plus proches de nous, et qui a pris beaucoup, beaucoup de temps de télescope pour arriver à mesurer les points en noir, la profondeur du transit en fonction de la couleur, de la longueur d'onde, pour s'apercevoir que le transit était plat, c'est-à-dire qu'à toutes les longueurs d'onde, la planète avait l'air de la même taille. Et on en a déduit, non pas qu'il n'y avait pas d'atmosphère, mais qu'il y avait potentiellement des nuages en très haute atmosphère qui bloquaient les rayons de toutes les longueurs d'onde de façon égale. Et il y a des cas aussi un petit peu intéressants, c'est-à-dire que le même type de planète, ben, deux planètes différentes, mais qui se ressemblent en tout point, montrent des spectres différents. Okay? Par exemple, ici, HP38B a de la molécule de l'eau dans son atmosphère. Il y en a plus, ou de la vapeur d'eau, je devrais dire, pas de l'eau liquide, de la vapeur d'eau. Et il y en a dans l'atmosphère, mais WASP-67, qui est à peu près la même température, en a presque pas. Donc, pourquoi est-ce que deux planètes à peu près de la même température, même taille, ont des spectres différents? Bien, c'est une bonne question, une question ouverte. Probablement, c'est que les planètes sont très diversifiées. Et bon, là, j'ai passé beaucoup de temps à vous présenter tout ça, puis j'imagine qu'il y a certaines personnes qui veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec James Webb. Donc, je vais vous parler un peu du télescope James Webb sur lequel on travaille à l'Université de Montréal. C'est un projet que l'Agence spatiale canadienne supporte. Évidemment, c'est un projet qui est mené par la NASA, mais l'Agence spatiale canadienne participe, ainsi que l'Agence spatiale européenne. Et Montréal, on a René Doyon qui est le PI, le Principal Investigator, le chercheur en chef de ce projet-là au Canada. Donc, il y a beaucoup de nos travaux qui se font ici à Montréal. Donc, je vous parlais de l'infrarouge. Ici, le télescope James Webb va observer dans l'infrarouge. Et pourquoi on veut observer dans l'infrarouge? Je vais vous demander pourquoi pas dans la lumière visible. Dans la lumière visible, c'est tellement beau. C'est la lumière que nos yeux détectent. Pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas avoir un télescope qui observe en lumière visible? Bien, c'est parce que dans les longueurs d'onde infrarouges, on a accès à d'autres connaissances très intéressantes. Par exemple, on peut, en regardant très, très loin dans l'univers, évidemment, à cause de l'expansion de l'univers, plus on regarde loin, plus les galaxies semblent s'éloigner de nous à grande vitesse, et donc plus leur lumière est décalée vers le rouge. Donc, il n'y a presque plus de lumière visible. On parle que toute la lumière visible a été déviée vers les longueurs d'onde infrarouges, et c'est pour ça qu'on veut étudier en infrarouge, c'est parce que la lumière qui serait visible
pour ces galaxies très proches, en fait, si elles étaient très proches, comme elles sont très loin, elles s'éloignent de nous très vite, leur lumière est maintenant rouge, donc on a besoin d'observer dans l'infrarouge. On veut savoir comment elles se sont formées, ces premières galaxies-là. C'est un des buts du télescope James Webb, de trouver les premières galaxies à s'allumer dans l'univers. Un autre aspect que James Webb va attaquer, c'est de quoi sont faites les atmosphères d'exoplanètes, comme je vous ai expliqué dans les slides précédentes. On a besoin de l'infrarouge parce que les exoplanètes contiennent des molécules et les molécules émettent ou laissent des traces seulement dans l'infrarouge, très, très peu dans la lumière visible. Donc, on a besoin d'observer dans l'infrarouge pour observer les molécules comme les vapeurs d'eau, le CO2, le méthane, tous ces gaz-là, l'oxygène, tous ces gaz-là sont dans l'infrarouge. Aussi, on est intéressé à savoir comment se forment les étoiles. Et si on était en lumière visible, comme le télescope Hubble, c'est ce qu'on verrait. On verrait ici un champ d'étoiles avec des nuages de poussière en avant-plan. Mais si on switch avec nos lunettes infrarouges de James Webb, ben, on a un accès complètement différent. La vue est complètement différente. Et là, on commence à voir les étoiles toutes jeunes qui sont en train de se former dans le centre de ces nuages de poussière. Et donc, on a accès à vraiment aux premiers millions d'années de comment se forment les étoiles dans la poussière et dans l'univers. Donc, on va être capable de mieux comprendre ce qui se passe dans les premiers moments de la formation des étoiles. Et ça, c'est parce que la lumière infrarouge est capable de passer à travers la poussière alors que la lumière optique visible, elle est freinée, elle est absorbée par la poussière. Donc, on a notre fameux télescope James Webb ici, un transformer qui va se déployer. Il y a à peu près plus d'une vingtaine de mécanismes de mobiles, de déploiement. Et là, on voit ici le déploiement. Donc, il va y avoir le lancement par Ariane 5 de la Guyane française dans une date dont je vais vous parler à la fin de la présentation. Après le lancement, il faut rapidement tourner le panneau solaire, ouvrir le panneau solaire pour avoir de l'énergie parce que notre batterie à bord est bonne pour 90 minutes. Après quoi, si le panneau solaire s'était pas ouvert, on n'aurait plus d'énergie et la mission serait un échec total. Mais ici, ce qu'on voit, c'est un écran solaire pour empêcher la lumière du soleil d'atteindre le télescope. Cet écran-là se déploie, il y a 5 couches et ça place le télescope dans l'ombre, en fait. Le télescope ne voit pas du tout de chaleur du soleil et le télescope est dans l'ombre et donc il peut se refroidir à des températures très, très basses, ce qui permet d'utiliser des détecteurs infrarouges qui sont très sensibles à la chaleur. Donc, on a vu plein de mécanismes qui sont déployés. Et ça, c'est pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles le projet prend autant de temps à compléter, c'est qu'il faut faire des tests au sol pour s'assurer que, évidemment, tous ces mécanismes-là vont vraiment bien se déployer une fois dans l'espace. Donc, on a ici le vrai télescope James Webb en labo à Goddard Space Flight Center, alors que tous les éléments étaient assemblés. Et maintenant, je vais passer à ma contribution personnelle, en fait, à ce projet-là. Moi, je suis arrivé à l'Université de Montréal vers 2010, au moment où on faisait le design de notre instrument canadien qui est à bord de James Webb. Et donc, j'ai contribué, j'ai fait le design optique. J'ai participé au design optique, j'étais pas seul. J'ai participé à obtenir des pièces de manufacturier puis de les tester en laboratoire. Donc ici, c'est un des tests que j'ai fait avec les vraies pièces qui vont aller dans l'espace. Donc on a ici des prismes, des grises pour justement faire le spectre de nos exoplanètes en laboratoire. Donc ce grisme-là est ensuite placé dans notre roue à filtre, dans notre instrument. Donc, c'est l'élément jaune là, dans notre instrument. On a plusieurs filtres dans notre instrument, mais celui-là est une partie importante. Ensuite, la roue est elle-même placée dans notre instrument qui s'appelle NIRIS, pour Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Donc, spectrographe sans fente et imageur infrarouge.
Et donc, on voit ici à droite l'instrument canadien. En fait, l'instrument canadien, c'est vraiment deux instruments. Il y a NIRIS qui fait de la science et puis il y a ce qu'on appelle le guideur, le Fine Guidance Sensor, FGS, qui est le guideur de tout le télescope, donc qui permet de bien fixer le télescope sur une étoile pour l'observer, faire des longues pauses. Et là, on a ici le télescope qui est déployé. En bas, sous ce télescope-là, c'est là qu'on va mettre les instruments dont NIRIS. Et donc, encore une fois, une des raisons pour lesquelles James Webb prend beaucoup de temps, c'est qu'on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Les plus vieux d'entre vous se rappelleront de cette image-ci. C'est une caricature qui est sortie dans les journaux tout de suite après le lancement du télescope Hubble et les premières lumières qui montraient des images affreuses, en fait, très décevantes que produisait le télescope Hubble. Et donc, on voyait que les payeurs de taxes n'étaient pas contents. Et donc, on ne veut pas répéter l'erreur qui a été faite avec Hubble, c'est-à-dire qu'Hubble, ils n'ont pas testé l'optique, comme on appelle, end-to-end, avec tout le télescope assemblé. Ils ont seulement testé l'optique par pièce. Et donc, pour nous, le télescope James Webb, bien, on teste toute l'optique au complet, end-to-end, et ça demande des grandes facilités avec... Des grandes pièces pour loger notre télescope. Ici, je vais vous montrer d'autres sortes de tests aussi qui sont faits sur le télescope pour s'assurer qu'il survit au décollage dans la fusée. Donc, écoutez bien parce qu'il y a du son. Donc, si ça ne vous a pas donné des frissons dans le dos comme moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Imaginez ici, on passe des années, littéralement des décennies à faire un télescope, puis vers la fin, on s'amuse à le faire vibrer comme un vulgaire toaster là, pour voir s'il va résister aux vibrations du lancement dans la fusée. Donc, les tests se sont bien passés, le télescope a passé le test. Mais si on avait mis vraiment un toaster commercial à la place, le toaster se serait vaporisé en différents morceaux. Loïc? Oui? Est-ce qu'il y avait vraiment du son parce qu'il n'y avait pas de son? Il n'y avait pas de son. Oui, on ne l'entendait pas. Ah, je suis triste. Voulez-vous que je vous fasse le son? Ça faisait quelque chose comme... On a compris. Désolé, moi, je l'entendais le son de mon côté. OK, merci. Non, c'est parce qu'il faut partager le son dans le menu en haut. C'est vrai? OK, attendez, je vais essayer ça. On va le réessayer. En haut dans Zoom, là, dans le menu en haut. Oui, more. Record. Show. Chat. Type floating. Optimize stream. Remote annotate, post share, security. Moi, je ne suis pas en mute, ça, c'est certain. Départage puis repartage, peut-être. Écoutez, ma présentation est longue. Je suis désolé, mais vous n'aurez pas eu le droit au son. C'était la seule partie qui avait du son. Mais c'est effrayant à voir. Quand je vois ça, ça me fait toujours peur. On restera à la fin si on a dit ça un petit peu. Oui, c'est ça. Merci. C'est ça. Donc, pour tester le télescope end-to-end, c'est-à-dire pour voir si une petite source lumineuse produisait un beau petit point sur notre détecteur, il a fallu mettre le télescope en entier dans cette espèce de pièce, dans ce cryostat, dans cette chambre-là, qui a été fermée avec cette énorme porte et qui a autrefois servi à faire des tests sur les modules lunaires d'Apollo. Et donc, c'est une pièce qui fait à peu près 5 étages. Et ça a été refroidi comme ça pendant plusieurs mois. Et on a fait des tests à froid. Et alléluia, l'optique du télescope fonctionne à merveille. Une autre partie importante du télescope, c'est l'écran solaire qu'on voit ici.
À gauche, elle est dépliée dans son état normal, puis à droite, elle est toute repliée pour être prête au lancement. Évidemment, le télescope est beaucoup trop gros pour fitter dans la soute de Ariane 5, donc il faut replier tout le télescope sur lui-même. Et là, ici, on voit le télescope replié, et cette fois-ci, il a été envoyé en Californie à Northrop Grumman, une entreprise privée américaine aéronautique. Et il est toujours là, en fait, le télescope. Et on voit, il est en deux parties. À gauche, la voile solaire, ainsi que toutes les parties avioniques, donc les propulsions, les trucs pour faire l'ajustement d'attitude. Donc, ce qu'on appelle le spacecraft en anglais. Puis, à droite, suspendu, bien, on a le télescope avec les instruments de James Webb dedans. Et oui, pour vous dire qu'en fait, ça, c'est une photo qui a peut-être un an. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les deux pièces ont été réunies et le télescope James Webb est en une seule pièce maintenant. Et donc, on fait la dernière série de tests de vibration et de déploiement à Northrop Grumman et un test, de vibration qui va être fait on sait plus trop quand exactement, là, mais c'est le prochain test qui s'en vient. Donc, la science qu'on va vouloir faire à l'Université de Montréal avec ça, une des premières choses, c'est d'essayer de trouver, de détecter des atmosphères autour des planètes du système TRAPPIST-1, qui est un système vraiment fascinant. TRAPPIST-1, c'est une étoile très, très rouge, très peu massive, mais très proche du Soleil. En fait, c'est une étoile M7, donc c'est très froide, même pas 3000 degrés Kelvin à sa surface. Et il a été découvert 7 planètes de taille qu'on pense rocheuses qui orbitent autour de cette étoile-là. Donc, 7 planètes rocheuses autour d'une étoile très proche. Ce qui est bien, c'est que l'étoile, elle est toute petite. Donc, une planète rocheuse qui passe devant une étoile toute petite, ça laisse un signal assez fort, en fait. Imaginez que la même planète fasse un transit en avant d'une étoile très, très grande, bien, ça laisse très, très peu d'éclipses. Ça produit une éclipse très petite. Mais là, ce qui est bien, c'est que comme l'étoile est toute petite elle-même, la petite planète qui passe devant laisse une trace assez grande. Et donc, ça augmente notre facilité de détection d'une potentielle atmosphère autour de ces planètes-là. Donc il y a 7 planètes. Et ici, on a un diagramme de la densité des planètes par rapport à celle de la Terre. Donc, la Terre, ce serait une densité de 1, on va dire. Et en X, en abscisse, on a la quantité de chaleur reçue par ces planètes-là, quantité de chaleur reçue par leur étoile. Et on voit, et ça, c'est par rapport à la quantité que la Terre reçoit. Donc, on voit que dans ce diagramme-ci, la Terre a une densité de 1 et une quantité de chaleur reçue de 1. Donc, toutes les planètes qui sont plus proches de leur étoile vont avoir des quantités de chaleur plus élevées que la Terre, et celles qui sont plus loin vont avoir des quantités de chaleur moins élevées, donc elles vont être plus froides. Oh, pardon. Et toute planète qui se trouve plus haut dans le diagramme est plus dense que la Terre, est plus bas et elle est moins dense. Et donc on compare donc ces planètes-là, elles ont des grandes similarités, on pense, avec les étoiles de notre système solaire. Donc, on est très intéressé d'aller observer l'étoile C, la planète C, la planète D et la planète E, qui sont des planètes qui ont probablement des températures où l'eau, si elle existe, serait à l'état liquide. Donc, on veut aller détecter autour de ces planètes-là, potentiellement, des atmosphères. Et juste pour vous dire qu'à ce jour, il n'y a aucune atmosphère vraiment détectée autour de planètes rocheuses, d'exoplanètes rocheuses. Il y a des planètes plus grandes, plus massives que la Terre, autour desquelles on a découvert des atmosphères, mais encore jamais à ce jour autour de planètes de la taille de la Terre. Donc ça, c'est une des grandes quêtes qu'on a avec le télescope James Webb à l'Université de Montréal, c'est d'observer ces planètes TRAPPIST. Et ici, je vous fais une simulation de à quoi pourrait bien ressembler le spectre observé avec James Webb. Okay?
On est à la recherche d'atmosphère. Donc, dans l'atmosphère, on pense à la vapeur d'eau, peut-être à l'oxygène. Et donc, imaginons une observation avec James Webb, une observation de 10 heures de temps de pause. Bien, en seulement 10 heures de temps de pause, on serait à même de détecter de la vapeur d'eau s'il y en avait autour d'une de ces 7 planètes de TRAPPIST-1. Par contre, on serait pas assez sensible pour détecter de l'oxygène, par exemple. Pour détecter de l'oxygène, il faudrait sûrement prendre des temps de pause beaucoup plus longs. Donc, si on prend un temps de pause de 20 heures, par exemple, on ne voit pas bien. À 50 heures aussi, c'est beaucoup 50 heures aussi de temps de télescope. Même à 100 heures, c'est difficile de détecter quoi que ce soit de l'oxygène. À 200 heures, on peut commencer à croire qu'on a peut-être une petite détection d'oxygène ici. Donc, par contre, la vapeur d'eau a été détectée très facilement. Mais la vapeur d'eau n'est pas une biosignature. C'est-à-dire que la vapeur d'eau, l'eau, c'est un élément qui est très répandu dans l'univers, une des molécules les plus répandues. Donc, elle se forme naturellement sans qu'il y ait besoin de la vie pour la former. Par contre, l'oxygène, comme j'ai dit au tout début, ça serait une biosignature. Surtout si elle est en bonne quantité, là, c'est vraiment une biosignature. Donc, ici, cette figure-là, ça vous donne une idée, OK, de ce qui serait possible avec James Webb. Ça serait possible de trouver de l'oxygène, mais il faudrait exposer beaucoup, beaucoup de temps. Il faudrait consacrer beaucoup, beaucoup de temps sur une seule cible afin de détecter l'oxygène. Donc, biosignature, trouver la vie avec James Webb, possible, mais difficile. OK? Une autre façon, une autre simulation qui a été faite par une Anglaise en 2016 ici, c'est d'accumuler des observations encore TRAPPIST-D, donc celle qui ressemblait le plus à la Terre, et de mesurer l'ozone cette fois-ci. Au lieu de l'oxygène, on mesure l'ozone qui est à 9 micromètres, OK? On pense que s'il y a de l'oxygène, il pourrait y avoir de l'ozone aussi, comme sur Terre, et l'ozone serait donc aussi un traceur, une biosignature. Et on voit que pour détecter l'ozone, dans les figures du bas, on a, le spectre de l'atmosphère de l'exoplanète en fonction de la couleur, de la longueur d'onde. Et on voit que c'est la petite bosse rouge à droite, là, à près de 9 ou 10 microns, bien, c'est ça la signature de l'ozone. Et les barres grises, bien, c'est nos observations. Donc, c'est vraiment à la limite de ce qui est possible de faire avec James Webb. Et donc, ce qui m'amène en fait déjà vers la fin, ma dernière slide de ma présentation. Et donc, je vous invite de rester à l'écoute. Évidemment, je suis certain que vous allez rester à l'écoute pour le lancement de James Webb, qui sera en 2020. Et là, je n'ai pas de réponse ensuite. Ensuite, je vais répondre à vos questions, en fait. Donc, sommes-nous seuls dans l'univers, en conclusion? Ben, pour l'instant, oui, toujours. Et peut-être que James Webb va nous conforter et trouver une signature. Mais ça va être difficile. Merci beaucoup, Loïc, pour une conférence tout à fait fascinante. Donc, j'espérais noter une date à mon calendrier, mais de toute façon, je pense qu'on sait tous que même si vous avez donné une date ce soir, il n'y a rien de coulé dans le béton avec le James Webb. Hein, qui n'est pas dans l'espace. Ouais. Donc, à suivre. Donc, avant de passer aux questions, il y en a eu quand même quelques-unes, je les ai notées. Juste un petit rappel, j'ai oublié à l'introduction, là, au début de la conférence, de vous rappeler de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, si c'est votre première fois ce soir sur notre chaîne YouTube ou si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le petit bouton rouge « Subscribe ». Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche là, pour recevoir les notifications dès qu'on ajoute du contenu à notre chaîne. Donc, et je vous rappelle qu'il y aura un tirage à 1000 abonnés, donc d'un magnifique article provenant de la navette Columbia. Alors, on passe maintenant aux questions et commentaires. Il y avait quelques questions et commentaires. Je vais juste retourner ici. Parfait.
Donc, il y a un petit commentaire au début de Luc Aubu qui disait qu'il mentionnait les sphères de Dyson comme autre possibilité de détection là, de vie extraterrestre. Oui. Les sphères de Dyson, c'est essentiellement, je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est essentiellement que une civilisation très avancée aurait besoin d'énergie électrique et pour avoir le maximum d'énergie électrique, on mettrait autour de notre étoile essentiellement une sphère ou un anneau de panneaux solaires, probablement un anneau de panneaux solaires, et par une façon indéterminée, l'énergie produite serait relayée sur la planète civilisée. Et donc, on pourrait imaginer qu'une étoile serait englobée sous une espèce de sphère de panneaux solaires qui capte la moindre énergie de l'étoile. Et donc, effectivement, une étoile comme ça, elle serait donc plus visible de notre point de vue, mais toute l'énergie emmagasinée va, par les lois de la thermodynamique, éventuellement se rayonner en ondes infrarouges. Et donc, c'est un peu ça que j'essayais d'expliquer là, dans ma méthode, dans une façon de trouver une signature de vie extraterrestre. Parfait, merci. Alors, on avait plusieurs questions, je les ai regroupées, là. On va y aller une à la fois, par pseudonyme Advent Ga. Si les astres, le premier c'est plus un petit joke, là, mais en même temps on va essayer de répondre. Si les astres émettent des micro-ondes, est-ce qu'on pourrait faire cuire son lunch dans l'espace? Oui, les astronautes font cuire leur lunch dans l'espace grâce aux micro-ondes, mais c'est, ouais, non. J'ai compris la joke. Je ne veux pas entrer dans un débat, mais c'est pour ça que les gens qui sont électrosensibles, ou c'est quoi le terme juste, les gens qui pensent que les compteurs d'Hydro-Québec peuvent causer des maladies ou qui sont sensibles au rayonnement, ben moi j'ai mes doutes parce que effectivement le soleil lui-même nous envoie des doses phénoménales d'ondes radio qui nous arrivent à nous, puis des doses qui sont souvent beaucoup plus fortes que ce qu'un appareil électronique peut produire. Donc, si on intègre sur toutes les longueurs d'onde, à certaines fréquences, c'est vrai que l'électronique est beaucoup plus puissant, mais intégré sur toutes les longueurs d'onde, tout le spectre d'ondes radio qui nous parvient, le soleil est vraiment très, très fort. Donc, si on est sensible à ces ondes-là, ben, le soleil, déjà, on y est très sensible. Une autre question de Advent Ga. Pourquoi l'étoile tourne à l'opposé de la planète? La gravité n'est pas supposée attirer les objets. Donc, on se réfère à la méthode. Pourquoi l'étoile tourne en opposé à la planète? Est-ce que tu peux répéter la question, Jasmine? Oui, pourquoi l'étoile tourne à l'opposé de la planète? Je pense, donc, dans la technique okay. De vitesse radiale. OK. C'est un effet rétro, en fait. C'est que la force, c'est les deux objets tournent autour du centre de masse. Okay? C'est ça, ce qui se passe pour vrai, c'est que quand tu as deux astres qui sont dans l'espace, les deux tournent en fait de leur centre de gravité commun. Et le centre de gravité d'une étoile plus planète, c'est un endroit dans l'espace qui est très, très proche de l'étoile, en fait, mais qui n'est pas tout à fait au centre de l'étoile. Si on a une grosse planète, ou si on a deux étoiles, par exemple, ben le centre de gravité va être entre les deux. Et donc, les deux tournent autour du centre de gravité. C'est aussi simple que ça. Parfait, merci. Donc, toujours la même intervenante. Quelle est l'exoplanète la plus lointaine jamais détectée? Oh boy! J'ai jamais eu cette question-là. On avait une question similaire. Oui. Ça fait quelques semaines sur est-ce qu'il y a déjà des exoplanètes qui ont été détectées dans des amas globulaires? Puis j'avais cherché rapidement, puis oui, Hubble en a détecté une. Je pense que c'est la plus lointaine des. Effectivement, ça doit être une des plus lointaines. Mais il n'y en a pas beaucoup dans les amas globulaires. Moi, je pensais même qu'il n'y avait pas eu de détection. Ça se peut qu'il y en ait eu, mais
Je ne suis pas à jour sur la détection d'exoplanètes dans les amas globulaires, mais si effectivement il y en a une détectée, ça serait les plus loin. Sinon, j'allais dire, dans le champ de vue de Kepler, ben, il y avait des étoiles à toutes sortes de distances de nous, dont des géantes très, très loin, autour desquelles il y a eu des Jupiters qui ont été détectés. Mais les amas globulaires, c'est encore plus loin. Ouais. Parfait. Donc, on passe à une question de Paul Lemaire. Y a-t-il des planètes qui peuvent cacher leur étoile au complet quand on parle de transit? Ah ah! Oui! Et ça, c'est un truc que des gens sont en train de chercher, même incluant des gens à l'Université de Montréal. On pense ici aux planètes qui orbiteraient autour de naines blanches. Vous savez, les naines blanches, c'est ces astres qui sont les restants, les cadavres des étoiles qui ont explosé, qui ont formé des nébuleuses planétaires. C'est le sort auquel le Soleil est réservé, c'est-à-dire que 95% des étoiles vont finir leur vie par l'explosion d'une nébuleuse planétaire. Et le cœur de cette étoile-là, mais littéralement le cœur, reste en place, et c'est un cœur qui est fait de carbone, d'oxygène, et qui est d'une matière extrêmement dense. Et donc, le cœur de cette étoile-là, qui pèse peut-être la moitié du Soleil, a la taille, littéralement la taille de notre planète Terre. On parle d'à peu près 10 000 kilomètres. Okay? Donc, imaginons que dans le cataclysme de l'explosion de la supernova et les phases précédentes où l'étoile devient une géante rouge à de nombreuses reprises, ben, imaginons qu'il y a des planètes qui résistent à ces phases-là de l'évolution stellaire et qui restent en orbite autour de la naine blanche. Ben, on peut très bien imaginer qu'il y ait des éclipses de cette planète-là quand elle passe devant la naine blanche. Puis en fait, ça a déjà été détecté. Il y a déjà des corps plus petits que vraiment une planète, là, mais on sait qu'autour de naine blanche, il y a des disques de roches qui parfois tombent sur la naine blanche, polluent leur atmosphère. Ça, on le sait, il y a plein d'évidences pour ça. À l'Université de Montréal, d'ailleurs, il y a quelques experts là-dessus, Patrick Dufour, Simon Blouin, ses étudiants, Pierre Bergeron. Et donc, ça existe. Donc, mais il y a les chances d'en détecter sont très faibles parce que les naines blanches sont aussi très, très peu lumineuses. Alors, c'est difficile de les observer avec une bonne qualité. Mais si une planète de la taille de la Terre passait devant le disque d'une naine blanche, elle obscurcirait la naine blanche au complet. Donc, ce serait une éclipse de 100%. Parfait, merci. Alors ensuite, on a parlé de TRAPPIST-1 dans les observations de James Webb, mais Luc Aubu veut savoir, est-ce que l'exoplanète Proxima B, récemment confirmée, sera une priorité pour le James Webb, tout comme l'exoplanète autour de Kepler-160? Je ne sais pas pour Kepler-160, mais pour Proxima Sine B, Ça va être une priorité pour... C'est-à-dire que pour Proxima Sine B, on parle ici d'une planète de type terrestre qui a été détectée par vélocimétrie, donc par l'effet Doppler, l'effet gravitationnel qu'elle laisse sur son étoile. Et donc, c'est l'exoplanète la plus proche de nous. Okay? Par contre, elle ne passe pas, elle ne fait pas un transit devant son étoile. Donc, comme elle ne fait pas de transit, on ne peut pas... mesurer son atmosphère. Okay? Pas en tout cas de la façon qu'on pense le faire avec James Webb. Par contre, on pourrait, avec le prochain télescope géant au sol, soit le 30-meter télescope nord-américain, japonais, soit ce projet-là, soit le télescope géant européen qui commence à être construit. Avec ces télescopes-là, on va être capable, par vélocimétrie et par optique adaptative, en couplant les deux, de vraiment mettre notre spectrographe sur cette planète-là et de prendre un spectre et de voir si le spectre contient de l'eau, du CO2 ou de l'oxygène. Donc, Proxima Sine B sera pas
une cible pour James Webb parce qu'on n'a pas, nous, de spectrographe à haute résolution qui serait nécessaire pour aller faire de la vélocimétrie. J'espère que c'était clair comme réponse. Mais bon. On va aller voir le commentaire. Il n'a pas encore répondu. Ben, prochaine question, Serge Bergeron. 200 heures de temps de pause. Est-ce possible d'accumuler, par exemple, 20 pauses de 10 heures? Oui, bon, c'est ça. Oui, alors, pour vous donner une idée, quand une planète de Trappiste passe devant son étoile, le transit dure à peu près une heure. OK? Puis on l'observe, disons, une heure avant, une heure après. Là. Donc, disons qu'on l'observe 3 heures à chaque fois qu'elle transite. Mais les transits se produisent à chaque 10 ou 15 jours. Okay? Donc, il faut attendre un autre 10-15 jours pour observer le transit suivant. Et donc, il faut accumuler 200 heures de temps de pause par bout de 3 heures. Donc, en principe, c'est possible, mais ça va prendre beaucoup de temps. En fait, ça va prendre, je pense que j'avais fait les calculs, là, c'est presque 5 ans. À chaque fois qu'il y a un transit, on va l'observer, puis ça prend 5 ans avant d'accumuler 200 heures. Mais 5 ans, c'est la durée de vie nominale du télescope James Webb. Okay? Ça, c'est un fait que peut-être pas tout le monde connaît, mais le télescope James Webb ne va pas durer aussi longtemps que le télescope Hubble. Hubble est dans l'espace depuis bientôt 30 ans. James Webb devrait durer 5 ans. On espère peut-être 10, et si on est vraiment chanceux et que tout se passe bien, ce sera peut-être 12. Après ça, ben, il va lui manquer de carburant pour faire les ajustements les ajustements nécessaires pour pas qu'il se mette à spinner hors contrôle. Alors, vous voyez là qu'accumuler 200 heures, ça devient très difficile. Il faut convaincre tout le reste de la communauté astronomique que ce projet-là est tellement intéressant qu'on doit l'observer. Et on tire un peu dans le noir parce que, évidemment, les chances qu'il y ait une civilisation et des traces de vie sont très faibles. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des traces de vie sur chaque planète qu'on observe. Donc, ce que ça nous donnerait, ben, c'est un spectre très précis de cette atmosphère-là, mais sans plus. C'est fascinant, mais il y a beaucoup d'autres projets fascinants en astro. Combien de temps vous avez d'allouer à l'Université de Montréal sur James Webb? Ah, c'est une bonne question. C'est complémentaire. Effectivement, parce qu'on a construit l'instrument, on a 450 heures de temps garanti. Et on va consacrer à peu près la moitié de ça, 200 heures, à étudier des exoplanètes, faire des spectres d'exoplanètes, de Jupiter chaud, de Neptune, de Super-Terre. On va essayer Trappiste D, E et C. Mais on a 200 heures sur les exoplanètes. On a aussi 200 heures pour faire, étudier des galaxies qui se trouve en fait dans une lentille gravitationnelle géante, là, il y a un amas de galaxies qui produit des lentilles gravitationnelles qui amplifient la lumière des galaxies qui sont en arrière-plan, qui sont beaucoup plus loin. Donc, ce projet-là, le projet CANOX, veut aller tracer la formation l'histoire de formation des galaxies en observant 4 de ces champs-là. Quand tu parles de 400 heures, est-ce que c'est le temps de vie du télescope même ou si c'est 400 heures par année? C'est 400 heures, 450 heures une seule fois. D'accord. Merci. Ouais. Donc, on a Luc Aubut et Serge Bergeron qui disent merci. Ils ont bien répondu à la question, à leur question. On a aussi un autre petit commentaire rapide là, de Yaya. Qui disait que selon Wikipédia, la planète la plus lointaine serait Kepler 443b à 2540 années-lumière. Donc, à vérifier. Bon, et des fois, il faut croire Wikipédia, d'autres fois, hein, ça dépend de quelle sorte de planète on parle. C'est ça, il n'est peut-être pas jaune non plus, mais à vérifier éventuellement. Donc, oui. Ensuite, on a une question un peu plus technique de Robert Saint-Jean qui aimerait savoir la résolution spectrale de NIRIS. Et combien de bandes spectrales seront téléchargées vers la Terre? Oui, OK. Alors, NIRIS, c'est un spectrographe à grisme, donc il y a un réseau sur une des facettes du prisme. Ça permet d'avoir une plus grande dispersion spectrale. Et on va couvrir de 0,6 micromètre à 2,8 micromètres.
Et on va le faire en faisant ce qu'on appelle de la cross dispersion. Donc, on a un gris, mais en plus de ça, on a un prisme tourné à 90 degrés qui étale la lumière dans un autre axe qui permet de séparer les ordres de diffraction un petit peu. Donc, on a deux ordres de diffraction qui nous intéressent. L'ordre 1, qui couvre de à peu près 0.8 à 2.8 microns. Puis, on a l'ordre 2, qui couvre de 0.6 à 1.4 microns à deux fois la résolution spectrale. Donc, la résolution spectrale, c'est à peu près 700. Ça varie selon la longueur d'onde, mais c'est grosso modo 700 et à l'ordre 1, puis grosso modo 1400 à l'ordre 2. Donc, c'est pas une grande dispersion spectrale. Pour vous donner une référence, le télescope Hubble, qui est un super bon télescope pour prendre des spectres d'exoplanètes, qui a des capacités limitées, mais qui est le meilleur quand même, lui a une résolution spectrale d'à peu près, si je me souviens bien, ça doit être à peu près 200. Donc, c'est encore plus faible, c'est trois fois plus faible. Et puis, ça couvre une gamme spectrale encore beaucoup plus petite, de 1.1 à 1.7 micromètres. Nous, on voit de 0.6 à 2.8. Et à bord de James Webb, il y a aussi d'autres instruments. Entre autres, il y a le NIRSPEC, un instrument européen. Au fait, il y a quatre instruments à bord de James Webb. J'en ai pas parlé, malheureusement. Il y a quatre instruments, et NIRSPEC a des résolutions spectrales variées. Il y a un mode où il y a une résolution spectrale de à peu près 50 ou 100, qui capte de 0.6 à 5.5 microns. Et il y a un mode avec des plages plus étroites à des résolutions de 3000. Donc, on va rester dans le thème des spectrographes. Robert Saint-Jean encore, quel est l'avantage du GRISM par rapport à un réseau grating classique? Oui, un réseau classique, c'est que c'est un miroir sur lequel on grave des rainures parallèles. La lumière vient se réfléchir sur ces rainures-là, puis interfère et puis produit un spectre sur le détecteur plus loin. Un réseau comme ça, c'est moins efficace, en fait. On perd beaucoup de lumière avec un réseau. Il y a seulement une efficacité, en général, de peut-être 10 ou 20% si on fait très bien les choses. Alors qu'un GRISM, c'est un prisme de verre dans lequel la lumière passe et sur la dernière facette, il y a un réseau, une gravure parallèle encore, mais ça se fait par transmission et le throughput, la transmission est plus grande avec un GRISM. Et aussi, c'est qu'on avait des grosses contraintes mécaniques. On avait deux roues à fil dans lesquelles on pouvait mettre un élément. On n'avait pas la possibilité de faire une réflexion hors axe optique pour revenir sur le détecteur, c'était pas possible. Donc, on n'a pas eu le choix, il fallait prendre un GRISM. Et un GRISM, c'est un petit réseau sur la deuxième face, je le répète, et donc ce réseau-là améliore la dispersion par rapport à seulement un prisme de verre. Un prisme de verre, ça crée un petit spectre, mais avec un prisme de verre avec le réseau par-dessus, ça donne un spectre plus large, donc avec un meilleur pouvoir de résolution spectrale. Parfait. Ensuite, on a Jean-Philippe qui avait deux questions. La première, les transits permettent l'analyse du signal par absorption au travers de l'atmosphère de la planète. Lors d'une éclipse secondaire, peut-on analyser la lumière par addition de signal? Oui, c'est une autre. On voit qu'on a des gens qui connaissent le sujet. Effectivement, quand une planète passe devant l'étoile, entre nous et l'étoile, ça fait un transit, donc une baisse de la luminosité. Mais il est vrai de dire que aussi, la planète peut, dans son orbite, passer derrière l'étoile. Et en quelque sorte, là, c'est l'étoile qui éclipse la planète. OK? Donc, toute la lumière qui nous vient de la planète, tout d'un coup, est cachée par l'étoile. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que, en fait, quand la planète passe derrière l'étoile, on a en fait moins de lumière, un petit peu moins de lumière qui nous vient de cette direction-là. Et c'est par la chute de luminosité, la chute de lumière, qu'on peut déduire quel est le spectre d'émission de la planète elle-même. Donc, ça nous donne une information complémentaire. Quand on parle d'un transit d'une planète devant son étoile, on regarde la lumière qui passe à travers le mince filet d'atmosphère autour du disque,
qui passe à travers. Et quand on regarde plutôt une éclipse secondaire, bien là, on regarde la lumière qui vient de tout le disque de la planète, à quel point ça s'est acheté, ça nous donne une idée du spectre de tout le disque de la planète. Donc, c'est deux informations complémentaires et l'éclipse secondaire nous donne en général une vue plus profonde du spectre de la planète. On est en train de sonder beaucoup plus profondément, peut-être sur la surface de la planète, alors que la méthode du transit nous permet seulement d'accéder aux couches très, très haute atmosphère de cette planète-là. Donc, on n'a pas accès à ce qui se passe au spectre d'émission de plus profondément dans l'atmosphère. Et sa deuxième question, le choix du point Lagrange 2 est-il pour se protéger du Soleil grâce à la Terre? Bon, c'est un point que je n'ai pas mentionné. Effectivement, le télescope spatial James Webb, quand on va le lancer, il ne sera pas en orbite autour de la Terre. Il va être lancé et mis au point de Lagrange L2, c'est-à-dire à peu près 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et ce qui est assez spécial, un point de Lagrange, c'est entre autres, notre vaisseau spatial qui est au point de Lagrange, il tourne autour du Soleil, il ne tourne pas autour de la Terre. Il n'est pas en orbite autour de la Terre, donc il tourne autour du Soleil à une distance pourtant qui est plus loin du Soleil que nous, on l'est. Donc, si on regarde les planètes du système solaire, plus une planète est loin, plus ça lui prend du temps à faire le tour du Soleil. Hein, c'est bien connu. Donc, on pourrait s'attendre, si on met un vaisseau spatial 1,5 million de kilomètres plus loin que nous, qu'avec le temps, il décale puis il traîne derrière, puis qu'on le perde, qu'il soit très loin. Mais en fait, c'est ça qui est spécial avec le point de Lagrange, c'est que l'attraction gravitationnelle de la Terre fait tire un petit peu, ça fait que elle permet aux satellites de toujours rester en synchronisme avec la Terre, et donc le satellite reste à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce qui fait qu'on est toujours en communication, on n'est jamais trop loin, et l'avantage, c'est effectivement qu'avec un panneau solaire, ben, on s'isole de toute lumière qui viendrait du Soleil et de la Terre et de la Lune. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucune source de chaleur qui pourrait produire du bruit dans nos images. J'espère que ça répond à la question. Donc, c'est pas pour protéger du Soleil par la Terre, c'est vraiment pour aligner la Terre, la Lune et le Soleil et c'est ça. Pas protéger par un panneau. C'est ça. Donc, c'est la petite subtilité. Oui, on n'est pas dans l'ombre de la Terre, là. Non, on voit, je veux dire, le côté chaud du panneau de l'écran solaire, il voit le Soleil directement, là. Ouais. Parfait. Donc, Roger Ménard, quels sont les objectifs du James Webb en termes de nombre de cibles et à quelle distance? De quelle magnitude de luminosité? Quelle est l'espérance de vie du télescope? Bon, la dernière question, on a un peu répondu. OK. Bon, pour vous faire capoter, les magnitudes atteintes, là, on parle de magnitude 30 en restant pas trop longtemps sur un champ. Donc, on va atteindre, il va y avoir des... Évidemment, on va se mettre des fois pour faire de la cosmologie, on va se mettre sur un champ pendant des dizaines, des dizaines et des dizaines d'heures, faire des, comme on a fait les Hubble Deep Field, là, et là, on va atteindre des magnitudes qui vont dépasser 30 magnitudes. Okay? Ça dépend du temps qu'on reste, mais on dépasse la magnitude 20 en quelques minutes facilement. Quelles cibles on va observer, quel nombre de planètes on va observer? Le télescope James Webb est un télescope qui va caractériser les planètes déjà connues. En général, il ne va pas découvrir des nouvelles planètes. Okay, c'est important. C'est-à-dire que le télescope James Webb a un champ de vue très, très petit. Son temps d'utilisation est hautement désiré. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller à la pêche, d'aller chercher des planètes où on n'en connaît pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est suivre des planètes qui sont déjà connues puis bien les caractériser. Donc, quand je veux dire les caractériser, c'est bien les étudier pour bien connaître leur atmosphère, bien connaître leur spectre, bien connaître les éphémérides des transits, par exemple. D'accord. Ensuite, on a un pseudonyme Frosty Canoe 65. Existe-t-il une biosignature sans équivoque, fail-proof? Et sinon, quelles sont les molécules atomes autres que l'oxygène pourriez-vous espérer détecter?
Bon, ben, il n'y a pas de molécule fail-proof. L'oxygène, évidemment, c'est un bon candidat. Ce qui serait encore mieux, c'est que, en fait, l'oxygène, je n'ai pas tout dit. On peut produire un petit peu d'oxygène dans l'atmosphère d'une planète avec des scénarios un peu. Il existe des scénarios pour en produire certains pourcentages d'oxygène dans une atmosphère de façon abiotique, sans vie. Mais si on découvrait, par exemple, l'oxygène en présence de méthane, par exemple, si on avait deux biosignatures en même temps, ça déjà, c'est l'accumulation des preuves qui ferait pencher la balance. Mais disons, le méthane, c'est une biosignature. Et il y a toutes sortes, on peut imaginer, je veux dire, j'ai vu des articles scientifiques de gens qui font plus de la théorie, qui imaginent toutes sortes de molécules basées avec du soufre, avec toutes sortes d'atomes différents qui seraient, en fait, qu'on retrouve pas, tu sais, à l'état naturel et qui seraient des signatures potentielles de vie, tu sais. Toute molécule bizarre, en fait, pour être une signature de vie. Tu sais, c'est comme si les CFC, par exemple, les chlorofluorocarbones, si on trouvait ça dans l'atmosphère d'une planète, ben, on aurait des gros doutes qu'il se passe quelque chose. Là. Malheureusement, ben, ou heureusement, les CFC, on sait que sur la durée d'une civilisation, ne vont pas rester longtemps dans l'atmosphère d'une planète. Parce que les gens vont s'en débarrasser, vont réaliser que ce n'est pas bon pour la couche d'ozone. Mais il existe d'autres molécules, je ne peux pas vous en nommer, il y a des molécules, toutes sortes de molécules plus ou moins étranges qui ont été proposées pour, comme biosignature. Mais c'est la combinaison de plus que qu'une de ces molécules qui rend la chose intéressante. Donc, parlant de vie, découverte de vie dans notre système solaire avant James Webb, est-ce que ça serait possible, selon vous? J'ai aucune idée. J'espère. Moi, c'est ce qui me fait vraiment rêver, c'est le projet de Dragonfly, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est sur Titan, d'envoyer un petit drone essentiellement sur Titan. Ça, c'est un projet qui a été approuvé récemment, que je trouve vraiment, vraiment planant. C'est vraiment, vraiment cool comme projet. Puis j'ai vraiment hâte de le voir se réaliser. Mais même là, malheureusement, ça va être difficile de trouver la vie comme ça, mais même sur Mars. Je pense qu'on a le système solaire est beaucoup plus proche, donc on est plus à même de pouvoir trouver des signes dans notre propre système solaire. Et j'ai une dernière question et commentaire de Richard Martin. Qui est en Abitibi. Donc, on a eu M. René Doyon et Charles-Philippe Lajoie qui sont venus faire une conférence chez nous sur le James Webb. Ils ont tous les deux travaillé sur James Webb. Y a-t-il beaucoup de Québécois qui travaillent directement sur James Webb? C'est quand même un projet extraordinaire. Oui, hein, on est. Moi, je me pince. J'arrive pas à croire que je travaille là-dessus. J'ai touché à des pièces qui vont aller dans l'espace. Oui, alors, ben les Québécois, il y a quand même pas mal d'astronomes québécois en général. Évidemment, toute l'équipe de l'Université de Montréal et beaucoup de gens qui travaillent sur le projet James Webb à Montréal, à McGill. Donc, c'est Charles-Philippe, son prénom, je me souviens jamais, Lajoie, celui qui a presque été astronaute. Lui, il travaille à l'Institut du télescope spatial à Baltimore. Il y a quelques autres Québécois à Baltimore ou franco-ontariens qui sont là, qui travaillent sur le projet. André Martel, et je suis pas bon pour faire un name dropping, là, mais il y en a quelques-uns. Oui, alors je sais pas quoi répondre. Il y a peut-être. C'est à l'Institut du télescope spatial à Baltimore où il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Là. Okay? C'est l'activité de préparation scientifique se déroule presque entièrement là-bas. Et c'est un gros institut qui a plusieurs centaines de chercheurs. Et donc, il y a beaucoup de postdocs québécois, canadiens, internationaux qui se retrouvent là. Oui, voilà.
Donc, quelques petits commentaires de Marie-Ouelle qui parlait tantôt de découverte de vie dans le système solaire avant James Webb. Donc, il dit il y a aussi de l'exobiologie, donc forage sur Titan, recherche sous-marine sur Titan. Donc, c'est des possibilités de découverte de vie dans notre système solaire. Ouais. Richard Martin vient de répondre. Merci de la réponse. En passant, Charles-Philippe Lajoie vient de chez nous. Donc, ah, c'est de l'Abitibi. Justement, lui, il a présenté, Charles-Philippe Lajoie va présenter, il s'intéresse au commissioning du télescope James Webb. Quand, juste après le lancement, là, quand on va avoir stabilisé et déployé les choses, il va falloir commencer à aligner les 18 miroirs hexagonaux qui composent le miroir primaire. Et ça, ça a l'air simple, dit comme ça, là, mais c'est vraiment pas simple, en fait. Ils vont prendre à peu près 3 mois pour bouger tous les 18 miroirs, le miroir secondaire aussi, pour les aligner. Et il y a toute une danse, une chorégraphie qui est faite. Et puis, Jean-Philippe Lajoie participe à ça. Il est un des scientifiques qui a pensé à tous les détails, de toutes les étapes à effectuer pour aligner les miroirs. Puis c'est un gars qui a l'air très intelligent. Je n'y ai pas beaucoup parlé, mais c'est un gars qui m'a paru vraiment très brillant. Question en lien avec ce qu'on vient de parler. Combien de temps pour que le spectrographe NIRIS soit opérationnel dans l'espace? C'est de Luc Aubut. Oui, alors bon, ben ça me permet de parler en fait des 6 mois que vont durer ce qu'on appelle le commissioning, donc la mise en service du télescope. Donc, il y a le premier mois, c'est pour se rendre au point de Lagrange, se déployer, se rendre au point de Lagrange, se stabiliser. Ensuite, il y a à peu près 3 mois, 3 mois et demi pour aligner les miroirs du télescope. Et il y a une courte période de moins d'un mois pour tester les 4 instruments scientifiques. Donc, de l'ordre d'une semaine, 15 jours par instrument. Donc, on a plusieurs activités pendant ce mois-là qui vont se faire. On a plusieurs observations déjà de cédulés. Nous, c'est divisé en une trentaine d'observations différentes qui durent à peu près quelques heures chaque. Et puis, on teste certaines parties de notre instrument. Donc, la partie de spectrographe SOS, qu'on appelle le NIRIS SOS, le Single Object Slitless Spectrograph, qui va faire nos spectres d'exoplanètes, ça va être testé par 2 ou 3 observations de chacune à peu près 6 heures maximum, là, à peu près. Et donc, basé sur ces observations-là, on va faire nos analyses puis on va voir si ça performe tel qu'on attendait ou s'il y a des grosses différences par rapport à ce qu'on attendait. Et basé là-dessus, s'il n'y a pas de grosses différences, bien, on va dire « OK, on est prêt ». Et puis, on va dire « On est prêt pour faire de la science ». Puis là, les premiers projets observationnels soumis qui ont été acceptés vont être observés, les premières cibles vont être observées avec notre spectrographe. Marie-Ouelle s'avance, est-ce qu'on aurait les premières données vers 2023? OK. Alors, ce qui se passe avec les délais, je peux vous dire pendant quelques minutes, 3 minutes max, ce qui s'est passé avec tous les délais du télescope James Webb, ben, comme j'ai dit, c'est parce que les tests sont beaucoup plus long à effectuer que ce qu'on attendait. Okay, c'est beaucoup plus complexe. Donc, dans toutes ces années-là, le lancement devait se faire d'abord en 2008, ensuite en 2011, en 2014, en 2017, puis 2019, puis là 2021, puis là encore, ça va décaler. Et je vous dirais que depuis que... quand le lancement était en 2014, là, il y a eu un gros effort de replanification, puis on s'est dit, OK, 2018, là, ça va être bon. Puis, pour la plupart, on a suivi, le plan a été suivi, mais ça prenait toujours plus de temps. Il y avait presque 11 mois de contingence et puis on est bouffé ces 11 mois-là. Il y a eu des délais parce que les tests prenaient plus de temps que prévu. Alors là, on en était là quand la COVID est arrivée où il nous restait 1 mois de contingence pour arriver à faire le lancement en mars 2021. Donc, 1 mois de contingence, c'est pas beaucoup quand il reste 1 an au projet. Donc, même s'il n'y avait pas eu la COVID, je pense qu'il y aurait eu un délai, mais peut-être de quelques mois, peut-être 6 mois. Mais là, avec la COVID, ça s'additionne encore plus. Donc, moi, je ne peux pas dire quand est-ce qu'il va y avoir un lancement. Il parle des dernières téléconf de la NASA que j'ai entendues. Il parlait de revisiter la date vers la fin de l'été
pour voir bon, combien, où on en serait, mais je pense que le lancement ne va pas avoir lieu avant, je dirais, fin 2022. Là. Dernier commentaire de Robert Saint-Jean. Il dit de ne pas oublier, dans le fond, l'équipe à l'Agence spatiale, lui qui est retraité à l'Agence spatiale. Là, oui. Donc, il y a aussi une équipe de Québécois qui travaille. Oui, je m'en excuse. J'y ai pensé dans ma tête, mais je ne l'ai pas dit. C'est ça. Je pensais à autre chose, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens à l'Agence spatiale qui travaillent sur ce projet-là. C'est un gros projet pour l'Agence. Et c'est vrai que c'est le plus gros contingent de Québécois, ça vient de l'Agence spatiale. C'est effectivement... là. Eux, ils supportent tous les moindres tests. Des fois, il y a des tests, là, tu dis, oh, tu comprends à peine à quoi ça sert. C'est pour tester les sous-systèmes. Et puis, c'est vraiment nébuleux, mais c'est des gens de l'Agence spatiale et de Honeywell, la compagnie ontarienne qui a fabriqué l'instrument NERIS. C'est ces gens-là qui s'occupent de ces tests-là, qui sont nombreux. Puis en plus de faire tout le management du projet à l'Agence spatiale canadienne. Donc oui, il y a plusieurs... Merci de m'avoir rappelé. Ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. On a quand même eu plusieurs. On a pas mal fait le tour. Donc, il y a beaucoup de remerciements dans les commentaires aussi. Là, beaucoup de personnes qui ont beaucoup... qui ont apprécié la présentation et les réponses données aussi aux questions. Donc, je ne sais pas si Diane, tu veux... Oui, mais oui. Bien, écoute, je te remercie infiniment de ta présentation. Comme je dis à chaque fois, ce qui me passionne de tout voir les scientifiques qu'on peut avoir au Québec, et je suis contente qu'on a aussi appris qu'il y avait un monsieur de l'Abitibi qui est avec vous autres. Et je me dis, mon Dieu, vous devriez de plus en plus vous faire connaître à travers le Québec. Comment est-ce que vous êtes impliqué dans les recherches et dans tout ce que vous faites? Enfin, moi, je vous dis bravo. Et c'est un peu comme ça qu'on voit que le Canada, à quel point il est impliqué. Et je t'en remercie encore beaucoup. Et on voit que James Webb est à suivre. On va regarder avec impatience la date du lancement. Je pense que tout le Québec et même à travers le monde vont être fascinés par ce départ. Et pour finir, normalement, quand on est au pavillon Vélan, nous, on est situé au pavillon Vélan, au domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant, je vois à travers chez moi qu'il ne reste pas tellement loin, qu'il fait soleil. Normalement, on invite les gens à venir à l'observatoire pour voir à travers notre télescope, mais là, malheureusement, la situation nous empêche d'aller voir. Alors, je t'inviterai probablement une prochaine fois à venir nous rencontrer à notre observatoire qui est situé à Tremblant. Alors, sur ce, je te remercie infiniment, puis je vois que tu as répondu à mes trois questions du départ que je t'avais demandé avant qu'on soit sur YouTube. Alors, merci beaucoup et bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Et on va vous suivre avec attention. Ben vraiment, merci. Ça a été, c'est vraiment une chance que j'ai de cette vitrine-là. Vous avez parlé de on devrait se faire connaître au Québec. Mais je pense qu'en astronomie, on a vraiment cette chance-là que c'est une science qui fascine à peu près tout le monde. Et en fait, on se fait quand même assez connaître. Mais je pense à d'autres amis qui sont dans d'autres domaines de la science, qui restent beaucoup plus anonymes, qui pourtant font du travail... très pertinent, puis je pense que c'est vrai qu'au Québec, on a une grosse masse de scientifiques qui sont, souvent c'est du travail dans l'ombre, mais là on le voit, c'est des gens qui travaillent en biologie actuellement avec la COVID, ben, ça ressort, c'est des scientifiques ressortent. Donc écoute, je trouve que c'est bien d'avoir une société scientifique qui s'intéresse à la science, puis plus on l'expose, mieux c'est à mon avis. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là, d'avoir été invité. Bien, excellent. Je sais que la dernière, le mois passé, on a eu le bonheur d'avoir Jonathan Gagné sur le télescope Gaïa. Alors, je sais qu'il nous avait vanté beaucoup ta compétence. Il nous disait que tu étais un peu le point central de tous les questionnements des scientifiques qui sont avec toi. Ils m'ont expliqué parfaitement comme quoi que tu répondais à toutes leurs questions, que tu étais un des
point central du télescope James Webb. Alors, Restez humble ici, on est à peu près un millier de personnes à être des points centraux. Enfin, il m'a vanté un peu ta compétence. Jonathan Gagné, en tout cas, si vous avez manqué sa présentation, c'est vraiment un astronome hyper enthousiaste et puis qui donne toujours super bonne présentation. S'il y en a une à aller regarder en replay, là, j'imagine que c'est celle de Jonathan. Oui, on ne l'avait pas dit, mais je pense qu'on va le réinviter pour un en direct. Okay. Oui, ben c'est justement parce qu'il n'était pas disponible le soir à cause qu'il vient d'avoir une famille. Alors, c'était pas disponible pour lui de le faire dans l'après-midi. On l'avait eu avec lui, Lénine Brune, et l'année passée, il était venu aussi pour le télescope Gaïa. Mm-hmm. Alors, j'inviterais tout le monde à voir ses présentations parce que lui aussi, il est fantastique. Oui. Et là, maintenant, il est embauché au Planétarium de Montréal. Exactement, c'est ce qu'il nous a annoncé. Oui. Alors, encore une fois. Petit mot de la fin. On a déjà une conférence de prévue en direct pour jeudi prochain, donc jeudi 19. J'ai pas d'image malheureusement ce soir pour vous, mais je peux vous dire tout de suite que c'est Monsieur Jean Vallière, donc le créateur du logiciel Chilix, qui est utilisé par plusieurs astronomes amateurs, donc pour planifier des soirées d'observation et contrôler, je pense même, des télescopes. Donc, venez nous présenter son logiciel jeudi prochain, le 19 juin à 20h. Donc, un gros merci encore, Loïc, et puis bonne chance pour la suite des choses avec le James Webb. Je pense qu'on va faire une diffusion en direct au lancement parmi tous les astronomes amateurs. Je crois que tout le monde va vouloir suivre ça. Donc, on va être tous être rivés à nos écrans à cette journée-là, puis on va espérer que ça vienne plus vite que prévu. Ouais. Bonne soirée, tout le monde. Merci, bye.